Bonjour. Pardonnez-moi de vous déranger, je suis étudiant en architecture à l'ENSA et je fais mon mémoire sur Monsieur Corbin. Il a conçu cette maison en 1985, n'est-ce pas ? Non, vous avez vous trompé d'adresse. Non, je vous assure, cette maison est une Corbin. Si je pouvais juste prendre quelques photos... Non, je préférerais pas. Attendez. J'ai déjà pris des photos d'une maison qu'il a conçue à Aix-en-Provence. Bon, ça suffit, s'il vous plaît. Je vous prie de ne pas insister. Ah, ok, excusez-moi, je voulais pas vous faire peur. Je vais vous laisser mon numéro et vous pouvez m'appeler si vous changez d'avis. Sébastien, c'est un projet fantastique. La vision a beaucoup mûri, mais tu comprends bien que ça marchera jamais. Tu sais très bien que sans toi, j'ai aucune chance. Pas du tout, au contraire. La situation devient de plus en plus gênante pour moi. T'es pas en train de me laisser tomber, là ? Ne le prends pas comme ça. C'est le seul moyen que je participe à ce concours. Ils retiendront jamais le projet d'un étudiant. J'ai déjà parlé au patron du cabinet où tu fais ton stage. T'as dit à Lafaye que tu me lâchais ? Sébastien, Lafaye veut te voir dans son bureau à 5 heures. Je sais pas si j'aurai le temps, je dois finir ça pour demain. Oui, non, mais c'est important, c'est au sujet du concours. Quoi ? Je crois qu'il a plutôt une bonne nouvelle. Moi, j'ai rien le droit de te dire, mais... Mais tu viens d'être sélectionné parmi les 10 finalistes. Allô ? Oui, c'est moi. Ah, bah très bien. Alors quand est-ce que... Ok, j'y serai. Merci. Tendu comme s'il désignait quelqu'un et il essayait de parler. Vous n'avez pas remarqué quelqu'un de particulier qui serait entré dans la gare juste avant lui ? Avec tout le monde qu'il y a, non. J'ai rien remarqué de particulier. Bon, merci. Le lieutenant Creuset va prendre votre déposition. Merci. Tiens, regarde. L'impact d'entrée de la blessure a une forme inhabituelle. Les contours sont déchirés, il n'y a pas de poudre. On dirait qu'il a été frappé avec un objet pointu. Ouais, assez fin et suffisamment long pour perforer l'artère sous-clavière. Il s'est pas passé 3 minutes entre le coup et le décès. Alors, permis de conduire. Sébastien Bonnet, 25 ans. Il a un pass de chercheur pour la bibliothèque. 80€ en liquide. Pas de carte de crédit. Et pas de portable. Ouais, s'il avait l'intention de prendre un train, alors il voyageait léger. Très léger. Il a plu, il est à peine mouillé. Peut-être qu'un taxi l'a déposé juste devant l'entrée de la gare. Non, je pense qu'il a dû laisser ses affaires dans sa voiture. En tout cas, il n'a pas de clé d'appartement sur lui. Ouais, t'as raison. Elles sont peut-être sur le même trousseau que ses clés de voiture. À moins qu'on les lui ait volées. Tiens, regarde. Il y a de l'encre sur sa paume gauche. Tiens bien. Il y a une inscription, des lettres et des chiffres. C'est bon ? Tu l'as ? Ouais, c'est bon. Ok, voilà. Bon. Commandant ? Oui. Des îlotis ont trouvé une voiture abandonnée dans une ruelle pas loin d'ici. Ça pourrait être celle de la victime, il y a du sang à l'intérieur. Bon, on va y aller tout de suite. Elle était garée sur le trottoir. Alors on a jeté un coup d'œil à l'intérieur. Et là on a vu qu'ils avaient tout piqué. Même les airbags. On se vend par les temps qui courent. Tu vois, les taches de sang sont principalement sur le siège du conducteur. La victime a été poignardée ici. Et son assassin devait être assis sur le siège à côté. Peut-être qu'il a ramassé de la compagnie pour la nuit et s'est fait avoir. On le poignarde et puis on lui vole sa voiture. Mais c'est pas forcément la même personne qui l'a poignardé et qui lui a volé la voiture. C'est peut-être une coïncidence. Et il a peut-être quitté sa voiture précipitamment, en laissant la portière ouverte, et quelqu'un d'autre l'a volé, dépouillé et puis largué dans cette ruelle. En tout cas, il connaissait son meurtrier. Au moins suffisamment pour le laisser monter dans sa voiture. Pied droit. Drôle de tatouage. Ouais, la victime devait avoir l'habitude d'écrire dans la paume de sa main. Il a aussi écrit le mot photo, ainsi qu'un horaire. Vous avez retrouvé l'arme du crime ? Non. Mais on a reconstitué sa forme par ordinateur à partir de la blessure. Un tournevis cruciforme. Voilà, pied droit.
C'est un terme architectural, ça désigne le mur vertical qui supporte la naissance d'une voûte. Donc les chiffres sont peut-être des mesures, et notre victime, ingénieur ou architecte. À 25 ans, il était sûrement encore étudiant. Donc vous épluchez tous les annuaires d'école d'ingénieurs et d'architecture de Paris. Très bien. Sébastien Bonnet, il est en dernière année. Il doit présenter son diplôme à l'issue de son stage. C'est quel genre d'étudiant ? Très appliqué, motivé. Il a d'excellentes notes. Nul doute qu'il va avoir son diplôme. Je ne vois pas d'adresse indiquée. Vous savez comment joindre sa famille ? Non, je crois qu'il vient de province. Il vient de province, Sébastien. Oui, tout à fait. Et vous n'avez pas son adresse à Paris ? Non, il reçoit son courrier ici. Pourquoi ? Qu'est-ce qu'il a fait ? Qu'est-ce que vous lui reprochez ? Il a été assassiné ce matin. Nous aimerions joindre ses proches. Mon Dieu. Essayez par le cabinet où il faisait son stage. Peut-être qu'ils pourront vous aider. Sébastien était en stage ici depuis 3 mois et... Et Monsieur Lafaille, c'est notre patron. Il avait l'intention de l'engager par la suite. Tenez. Il a été tué ce matin à 10h. Il était passé ici avant ? Non. Non, moi, la dernière fois que je l'ai vu, c'était hier. Je sais pas, vers 4h. Vous savez où il habitait ? En ce moment, près de la Bastille, je crois. Mais il déménageait souvent, alors il se faisait envoyer son courrier à l'ANSA. Pas de petite amie ? Pas à ma connaissance, non. Il était assez secret, non ? Discret, en tout cas. C'était un passionné d'architecture. J'ai vraiment l'impression que c'était toute sa vie. D'ailleurs, hier, M. Lafaille lui a annoncé que son projet pour la tour verte de la Défense avait été retenu parmi les 10 finalistes. Votre cabinet a présenté le projet d'un stagiaire pour un concours aussi important ? Sébastien avait déposé son projet avant son stage. Mais aussi doué et visionnaire soit-il, il n'en était pas le seul concepteur. J'imagine que vous avez des architectes aguerris pour suivre ce genre d'opération. Il ne s'agit pas de ça. Sébastien avait conçu le projet avec l'aide d'un de ses professeurs, Jean Laborde. Un architecte habilité et tout à fait reconnu. Mais à vous entendre, Monsieur Lafaille, c'était Sébastien l'inspirateur du projet. C'est vrai, il portait l'âme du projet, si vous voulez. Oui, c'était quelqu'un de très doué et inspiré, mais trop jeune pour faire face seul à un tel concours. Ouais, du coup, son heureux professeur se retrouve seul maître à bord. Par la force des choses, oui. Et vous allez continuer à développer le projet avec lui ? Écoutez, cet ouvrage est la première tour totalement écologique en France. C'est une compétition de la plus haute importance pour notre cabinet. Ce qui est arrivé à Sébastien est terrible, mais je ne peux pas tout arrêter après tout ce que nous avons déjà investi. Et puis, nous venons d'être sélectionnés. C'est pas moi qui suis allé le chercher, c'est lui. Et pour tout vous dire, j'avais d'abord refusé. Vous n'aviez pas aimé son projet à l'origine ? Au contraire, c'était brillant. Je n'avais pas les moyens de financer ses recherches. C'est à ce moment-là que vous l'avez présenté au cabinet Lafaille ? Et maintenant que le projet a toutes ses chances, vous restez seul. Je ne pense pas que le projet ait la moindre chance. Pourquoi vous dites ça ? Pour vous déculpabiliser ou pour éviter de figurer parmi les suspects ? Suspects ? Moi ? Écoutez, vous faites totalement fausse route. C'est la mère de Sébastien qui m'a demandé de s'occuper de son fils. Et peu avant sa mort, il y a plus de 5 ans, elle se savait atteinte d'un cancer. Pourquoi vous ? Nous étions amis depuis longtemps, de l'époque où elle travaillait pour les monuments historiques. Et son père ? Ils étaient divorcés depuis longtemps, il vit à Dubaï. Je ne l'ai jamais vraiment occupé de son fils. J'ai aidé Sébastien à présenter le concours de l'école d'archi, puis j'ai suivi son cursus. Alors, me soupçonner d'avoir voulu profiter de son talent est une insulte. D'ailleurs, je lui avais annoncé mon intention de me retirer. Et c'est toujours le cas ? Absolument. Et pourquoi vous dites que son projet n'a aucune chance ? Parce que dans ce genre de concours, les places sont souvent déjà prises et pour des raisons qui n'ont souvent rien à voir avec l'architecture. Vous insinuez que ce genre de concours est truqué ? Les 10 projets sélectionnés sont absolument remarquables. C'est déjà un grand succès pour tous d'être parvenus à ce niveau de la compétition. Elisabeth, je ne suis tout de même pas le premier architecte venu. Je suis là pour gagner ce concours. Alors comment pouvez-vous me comparer à un débutant ? Je ne vois pas de qui vous voulez parler. Vous le savez très bien. On dit qu'il serait bien placé, c'est absurde. Qu'un jeune architecte inconnu vienne révolutionner les conventions, ça devrait plaire à un pourfendeur de tabous comme vous. Oh, inconnu peut-être. Alors révolutionnaire, c'est vous qui le dites. Personnellement, je trouve que son projet est très novateur et très inspiré. Oui, mais alors je vois pas comment le jury pourrait préférer la copie à l'original. Ça, c'est vous qui le dites. Je ne sais pas qui sera choisi en fin de compte. Et même si j'en avais la moindre idée, je ne pourrais rien vous révéler, cher ami. Elisabeth, cette tour va dominer Paris de son aura. Vous avez besoin d'un visionnaire, non pas d'un plagiaire. 10 projets en finale, dont la plupart ont été conçus par des équipes entières d'architectes.
C'est pas mal de suspects. Ouais. À condition que le mobile soit la rivalité professionnelle. Tu vois vraiment un architecte commettre un meurtre pour gagner un concours? On dit qu'il n'y a pas plus mégalo qu'un architecte. Alors quitte à se prendre pour Dieu, pourquoi pas commettre un meurtre? C'est curieux, j'ai l'impression que Sébastien Bonnet était différent. Un vrai idéaliste, avec une solitude profondément ancrée en lui. Tu déduis ça en étudiant son travail? Le style, c'est l'âme, non? Regarde cet appartement, par exemple. Tout semble articulé autour du vide. Tu vois? Je vois surtout l'adresse. 28 rue Alexandre Dumas, c'est tout près de la Bastille. C'est peut-être chez lui. Bel entrepôt, bien reconverti. Tu as dû l'aménager lui-même. On dirait que ça t'inspire. Non, mais ça me touche. C'est le côté dépouillé et organisé? Comme l'esprit d'un architecte. Ou d'un flic. Même si c'est pas moi qui habiterai dans ce genre d'espace. Pourquoi tu préfères le désordre et l'abondance? Non, je préfère la vie. Il était mignon à cet âge. Et sa maman n'est pas mal non plus. Aucune photo du père, par contre. Regarde, on dirait qu'il manque un tournevis cruciforme. Il se peut que l'assassin soit venu ici. Oui, mais le tournevis n'est pas la seule chose qu'il ait prise, regarde. C'est l'emplacement du futur gratte-ciel de la Défense. Mm-hmm. Mais il manque une photo dans le montage. On dirait une équipe d'architectes en repérage. Oui, pourquoi l'assassin aurait fait disparaître une photo? Peut-être parce qu'il était dessus. Les 10 projets retenus sont rendus publics anonymement, comme vous pouvez le constater. Et ce sont les habitants du département qui vont se prononcer. Et que va devenir le projet de Sébastien Bonnet? C'est tragique, mais sans son créateur et avec le désistement du professeur Laborde, nous allons devoir le retirer du concours. Autrement dit, en tuant Sébastien Bonnet, on a aussi tué son projet. Mais un jeune homme à peine sorti de l'école, a-t-il une réelle chance de gagner ce genre de concours? C'est là tout l'intérêt, n'est-ce pas? L'idée que cette tour révolutionnaire soit l'œuvre d'un jeune architecte iconoclaste était... Pas si iconoclaste que cela. Vous trouvez pas qu'il y a une ressemblance entre ces deux tours? Superficiellement, sans doute, pour le profane. Mais si on évalue le projet en profondeur... Qui est l'auteur de celui-ci? Cette exposition est anonyme. Je ne suis pas habilitée à vous révéler... Vous préférez peut-être le révéler directement au juge d'instruction? Il apprécie beaucoup l'architecture, il paraît. Même en tant que profane. Oui, c'est bien mon équipe, c'était la semaine dernière, je crois. Qui a pris ces photos? C'est ce que nous cherchons à savoir. Mais voyez... Là, il semble que quelqu'un de chez vous prenait des photos aussi. Peut-être que vous avez saisi des éléments qui peuvent nous intéresser. Ouais. Anna, est-ce que vous pouvez m'apporter le repérage du 12 mars? Oui, monsieur. Dites-moi, c'est votre projet pour le concours? Oui. Je ne sais pas pourquoi, il y a quelque chose qui m'est familier dans cette tour. L'architecture de ce gratte-ciel vous rappelle peut-être l'une de mes œuvres, que vous le vouliez ou non. Mon travail s'est inscrit dans votre inconscient. Oui, mais pourtant, tous vos bâtiments sont si différents. Mes ouvrages ont la particularité de tenir compte de l'espace dans lequel ils s'insèrent. Chaque ville est différente. Il n'y a donc aucune raison pour imposer un même style de bâtiment. Dites-moi, ça c'est l'hôtel Shanghai, hein? Oui, prêt à être ouvert l'été prochain. Et là, c'est le nouveau palais des congrès de Berlin, avec son toit de titane en forme de violon. En effet. Anna, merci. Ah, je voulais vous dire que le projet Gradovski reviendra de l'imprimerie demain. Vous me l'enverrez à Aix. Bien entendu, monsieur Corbin. Aix, c'est en Provence? Oui, c'est là que j'habite avec ma femme. Vous êtes marié? Je ne vois aucune photo personnelle ici. Je n'ai pas besoin d'avoir les photos de ma femme sur mon bureau pour me rappeler que je suis marié. Mais en semaine, vous restez sur Paris. Non, elle ne supporte pas Paris. Elle aime être au milieu de ses plantes. Et ça lui pose pas de problème de vous laisser au milieu des vôtres? Vous savez, après 28 ans de mariage, on n'en est plus là. Tiens, regarde. C'est Sébastien Bonnet. C'est le jeune architecte qui est mort à la gare de l'Est vendredi dernier. Oh, c'est terrible ce qui lui est arrivé. Ah, voilà ce que je cherchais à comprendre, en fait. Votre projet me rappelle celui de ce jeune homme. Et mon travail est une source d'inspiration pour ces jeunes architectes. Ils vont même jusqu'au plagiat. Oui, mais il paraît que c'était le chouchou du jury. Vous étiez au courant? Non, mais je ne vois pas comment vous pourriez l'être. C'est des rumeurs qui courent.
Il arrive parfois que l'élève dépasse le maître. Encore faut-il qu'il en ait le talent. La question ne se pose plus. Vous ne connaissez pas ce jeune homme, monsieur Corbin? Vous ne l'aviez pas rencontré? Jamais. Vous êtes sûr? Certain. Je vous demanderai juste de remettre les photos sur le bureau. À bientôt. Tu avais raison. Les cours de modestie et en archi sont facultatifs. Bon, la question est de savoir qui du maître ou de l'élève a plagié l'autre. Oui, mais Corbin n'a pas tort quand il dit que Sébastien l'a copié. Regarde ces photos. Sébastien les a prises du même endroit et sous le même angle que celles de Corbin. Donc, il suivait pas à pas les traces du maître. Peut-être pour mieux le doubler dans le dernier virage. Aucun appel entre le bureau de Sébastien et celui de Corbin. Quant au professeur Laborde, il était en plein cours quand Sébastien a été tué. Tiens, regarde. Corbin a conçu un hôtel pour Barcelone. Tu vois? Pourquoi cette fois c'est moi qui ai l'impression de l'avoir déjà vu quelque part? Parce qu'il était déjà allé d'une certaine manière. Regarde, Sébastien Bonnet a utilisé les mêmes dimensions et les mêmes espaces dans son propre appartement. Le même arrangement de volume. On dirait qu'il essaye de rentrer dans la tête de Corbin. S'il voulait vraiment entrer dans la tête de Corbin, il aurait dû s'entourer de quelques assistantes, si tu vois ce que je veux dire. Et c'est pas tout, Corbin a conçu 3 maisons dans les Yvelines. Tiens, c'est un reçu de la direction départementale de l'équipement des Yvelines. Sébastien Bonnet a demandé à voir les plans des maisons Corbin. Dis donc, à ce stade, ça vire carrément à l'obsession. Ouais. C'est tout de même incroyable qu'après tout ce que tu as déjà construit, tu doives encore et encore faire tes preuves. Mais c'est ça qui est excitant dans l'architecture, Sophie. Un défi permanent qui oblige à ne jamais se reposer sur ses lauriers, à être toujours sur la brèche. J'ai appris qu'un des participants au concours avait été tué. C'est horrible. Oui, je suis. Je ne comprends pas comment ce pauvre garçon faisait partie de ce concours. Mais qu'est-ce que tu veux? Il n'avait aucune expérience, aucune chance. Il faudrait pourtant un jour que tu passes la main. Mais en attendant, le vieux Briscard est toujours dans la course. Ah oui. Excuse-moi, c'est le cabinet qui m'appelle, je t'en trouve. Je suis arrivé à Londres, il y a à peine une heure. Oui, comment te sens-tu? Moi aussi, tu me manques. Là maintenant? Quoi tu veux dire ce soir? Écoute, mon rendez-vous est arrivé. Je te rappelle ce soir et on en parle. Je t'aime. Moi aussi, je t'aime. Oui, moi aussi. Je t'embrasse. Non, non, je ne l'ai jamais vu. Enfin, du moins, je ne crois pas. Pourtant, les gens de la DDE nous ont dit qu'ils leur avaient demandé les adresses précises des 3 maisons Corbin. C'est possible qu'il soit venu, mais il vient tellement de gens. Parfois, il me demande même à entrer, mais j'aime pas avoir des inconnus chez moi. Mais ça vous apprendra à vous et à votre mari d'acheter une maison aussi célèbre. J'ignorais que cet architecte avait autant d'admirateurs. Il en avait au moins un, Sébastien Bonnet. Nous avons vu les 2 autres maisons. Je peux vous dire qu'elles sont moins bien entretenues que la vôtre. Oui. Vous travaillez dans la déco? Je suis éditrice de livres d'art. En ce moment, je travaille chez moi à cause du bébé. On peut voir l'intérieur? De nous, vous n'avez rien à craindre. Et qu'est-ce que vous cherchez exactement? C'est qui ce jeune homme? Qu'est-ce qu'il a fait? Ce que nous cherchons à comprendre, Madame Lebrun. Garçon ou fille? Votre bébé. Ah, garçon. Incroyable. Vous avez même gardé le mobilier d'origine, n'est-ce pas? C'est du sur-mesure. J'ai lu que Xavier Michel Corbin avait tout dessiné lui-même. Ça allait avec la maison, alors je l'ai gardé. Vous avez même gardé l'arrangement des meubles. Absence visible d'objets personnels. Comme dans le bureau de Corbin. C'est sa marque de fabrique. Pour moi, c'est pas la peine de surcharger, c'est bien comme ça, non? Oui, c'est comme ça que Corbin l'aurait voulu s'il avait vécu ici. C'est mon taxi. Si vous permettez, j'ai rendez-vous pour une échographie, j'aimerais me préparer. On peut vous déposer si vous voulez. C'est très gentil, mais j'ai pris un abonnement dans une compagnie de taxi. Vous savez, en ce moment, je conduis pas beaucoup. Vous savez ce que c'est? On n'est jamais trop prudent. Une nouvelle maison, un abonnement de taxi, le tout avec un salaire d'éditrice d'art. Bon, une qui a trouvé le prince charmant. Mais pas n'importe lequel. Cette sculpture, je suis sûr de l'avoir déjà vue quelque part. Je suis sûr qu'il est là quelque part. Bingo. Elle est inspirée de la naissance de Vénus de Botticelli. C'est un élément décoratif que Corbin a déjà utilisé auparavant. Je cite.
Non seulement la féminité incarnée navigue-t-elle sur sa coquille, a-t-elle son écrin, mais de plus, la forme de ce coquillage constitue la métaphore de sa vulve. Je connais bien là le style Corbin. Vénus, déesse de l'amour, symbolise une offrande à la femme aimée. Tu sais où il a déjà créé cette sculpture ? Dans sa maison à Aix-en-Provence, celle qu'il a construite pour sa femme. Et il a fait la même chose ici. Hélène Lebrun ne serait-elle pas la maîtresse de Xavier Michel Corbin ? Ouais. Et une maîtresse enceinte. Enceinte ou pas, le fait que Corbin ait une maîtresse fait de lui au mieux un homme à femme, au pire un sale type, n'est pas encore un meurtrier. Sébastien Bonnet était passionné par l'œuvre de Corbin, mais ce qui comptait par-dessus tout pour lui, c'était de se présenter au concours d'architecture de la Défense. Et alors ? Et alors, il a pu découvrir comme nous que Corbin avait une maîtresse, enceinte qui plus est, et essayer de le faire chanter afin qu'il se retire du concours. Mmh, voilà, et au lieu de céder au chantage, Corbin décide de l'éliminer. Hypothèse qui suppose que pour lui, préserver sa femme de sa double vie soit plus important que la vie d'un jeune homme. Préserver sa femme, je n'en sais rien. Mais construire une tour pour un personnage aussi imbu de lui-même, ça l'est certainement. Sébastien Bonnet. Oui, en effet, ce nom dit quelque chose. Il était étudiant à l'ENSA. Merci. Ah, mais oui. Il est venu ici il y a 2 mois. Il a pris quelques photos. Il voulait savoir l'influence que j'ai sur le travail de mon mari. Et c'est tout ? Oui, je lui ai suggéré de s'adresser directement à Xavier Michel. Mon mari aime entretenir le mystère sur son processus créatif. Le mythe du génie solitaire. Enfin, pas si solitaire que ça. Que voulez-vous dire ? Ben, comme tout artiste connu, il doit être la proie de jeunes admiratrices. Vous savez, en 28 ans de mariage, nous avons tout vécu, Xavier Michel et moi. Les plus grands bonheurs et les plus grandes crises. Le résultat est là, nous sommes toujours ensemble. Quel genre de crise, par exemple ? Eh bien, nous avons l'embarras du choix. Vous savez ce qu'on dit ? Une épouse est le pire ennemi d'un créateur. Pourquoi ? Eh bien, parce que tout le temps qu'il lui donne, il ne le consacre pas à son œuvre. Et tant qu'on n'a pas compris ça, on ne peut pas être heureuse aux côtés d'un créateur de la trempe de Xavier Michel. Et depuis que vous l'avez compris ? Eh bien, j'ai accepté de passer après son travail. Et de le laisser seul à Paris pendant que vous l'attendez ici la semaine ? Toute vie de couple implique des concessions, alors vous savez, les admiratrices... C'est pour ça que vous n'avez pas eu d'enfant. C'est aussi une concession à son génie. Non, ça c'est la vie qui s'en est chargée. Je vous trouve très raisonnable, Madame Corbin. Vous étiez chez vous vendredi passé ? Oui. Et votre mari, il était là aussi ? Non, il était à Londres. Il conseille la mairie sur les questions d'urbanisme. Il s'y rend régulièrement. Depuis 12 ans. Évidemment, la mairie de Londres n'a aucune trace de rendez-vous avec Corbin. Il a bien été conseil en urbanisme, mais sa mission s'est terminée il y a 8 ans. Oui. Très bien, je vous remercie beaucoup. Bon, la banque de Corbin va nous faxer ses relevés de carte de crédit. Tu crois vraiment que Sophie Corbin méconnaît à ce point l'homme qu'elle a épousé ? Moi, j'ai l'impression qu'elle s'est fait une raison, mais qu'il y a des choses qu'elle préfère pas voir. Sauf que si elle a découvert que son mari avait une maîtresse enceinte, la passion a pu l'emporter sur la raison. Oui, mais pourquoi elle aurait tué Sébastien Bonnet ? Pour l'empêcher de tout révéler. C'était une humiliation insupportable pour elle. Ça nous fait une suspecte de plus. Alors, toutes les dépenses de Corbin ont été faites, soit à Paris, soit à Aix. Et voilà une autre carte. Tiens. Et sur celle-ci, les dépenses sont toutes faites au Vésinet. C'est certainement la carte d'Hélène Lebrun. Ah. Attends, il y en a une autre qui sort là. Il y a une troisième carte au nom de Corbin. Toutes les dépenses sont faites à Londres, même quand il n'y est pas. Et elles sont plutôt conséquentes. Je comprends qu'il ait besoin de gagner des concours. Une femme dans chaque port. Ce type est un grand malade. Mais certains artistes ont besoin de se mettre en danger. L'adrénaline stimule leur créativité. C'est ça, l'adrénaline. La testostérone, tu veux dire ? Si je connais Xavier Michel Corbin, voilà un drôle de question. Je suis sa femme, Joanna Corbin. Nous sommes mariés il y a 8 ans à l'église du Marble Arch. Nous savions qu'il était marié, mais nous imaginions quelqu'un de plus âgé. Oh, vous devez penser à sa première femme, Sophie. Elle était déjà divorcée quand je l'ai rencontrée. Asseyez-vous. Vous êtes dans l'architecture, vous aussi ?
Oh non, non, pas du tout. Je travaille dans la mode. J'étais mannequin et j'ai créé ma propre ligne de vêtements. Mais pourquoi la police française s'intéresse-t-elle à mon mari? Nous enquêtons sur une affaire de harcèlement dont votre mari a été victime. C'était en fin de semaine dernière. Il était ici? Oui, il a pris l'Eurostar depuis Paris vendredi matin. Vous vous souvenez à quelle heure? Oh, je ne sais pas. Elle a passé la journée au City Hall. Et puis, elle a dû attendre des plans que son bureau devait lui faxer. Il est rentré un peu après minuit, je crois. C'est votre fille, là? Oui, elle avait 5 ans quand je rencontrais Xavier. Mais qu'est-ce que c'est, cette histoire de harcèlement? C'est un jeune étudiant en architecture sur qui l'œuvre de votre mari exerce une fascination malsaine. Ah, justement, quelqu'un m'a appelé pour savoir si un étudiant n'était pas venu me déranger avec des questions. Il s'est présenté? Non, mais c'était une femme. Une femme? Les flics m'ont montré une photo de cet architecte, Sébastien quelque chose. Tu sais, il a été assassiné la semaine dernière. Ils voulaient savoir s'il était venu voir la maison. Oui, je sais. Ils sont passés au cabinet aussi. Qu'est-ce qu'il a à voir avec nous? T'inquiète pas. Juste un type qui est fasciné par mon travail. J'ai lu dans la presse qu'il était bien placé pour le concours, c'est vrai? Son essor net. C'est un vulgaire plagiaire qui n'a aucune chance. Je me disais, quand tu iras à Londres, la semaine prochaine, je viendrai avec toi. Et puis quand tu auras fini tes rendez-vous, on ira se promener à Hyde Park. Non, ma chérie, je ne vais pas te laisser des journées entières t'ennuyer dans notre chambre d'hôtel. Puis dans ton état, je préfère que tu ne t'éloignes pas trop de la maternité. Tu as raison. Puis je m'en voudrais de te déranger dans ton travail. Et moi, de te fatiguer pour rien. N'oublie pas que tu as un petit corbin dans le tiroir. Le premier. Si Corbin voulait savoir à quel point Sébastien s'était informé sur lui, il aurait pu demander à quelqu'un d'appeler son épouse anglaise à sa place, non? Oui, mais à qui? À l'une de ses assistantes? Non, c'était lui donner beaucoup trop d'importance. Je vois pas Corbin, ce grand architecte du cloisonnement, prendre de tels risques. Alors, c'est sa femme, enfin, je veux dire Sophie Corbin, qui a appelé Londres. Pourquoi maintenant? Ça fait des années qu'il mène une double vie. Et si c'était pas Corbin qui redoutait ce que Sébastien allait découvrir? Continuez, Revel. Allez au bout de votre raisonnement. Une seule de ces femmes nous a caché son lien avec lui, Hélène Lebrun. Elle avait aucune raison de le faire. Sauf si elle savait qu'il avait déjà 2 autres femmes. Et vous croyez qu'elle aurait supporté la situation? Oui, parce qu'elle avait quelque chose de plus que les autres n'avaient pas. Elle porte son enfant. Son héritier. Vous voulez dire que c'est elle qui aurait enquêté sur celui qui enquêtait sur son mari? Oui. C'est peut-être Sébastien Bonnet qui l'a approché la première fois sous prétexte de prendre des photos de sa maison. Mais quand elle se rend compte de ce qu'il est en train de faire, elle lui propose de le rencontrer chez lui, lui subtilise un tournevis dans son appartement et lui demande de la raccompagner, mettre en garde de l'Est. Une suspecte de plus, donc. Elle est peut-être la bonne. Je vais appeler le garage, je voudrais vérifier quelque chose. Il a été frappé ici. Et s'il était assis à la place du conducteur, il y aurait eu des taches de sang sur le tableau de bord. C'est vrai. Donc, il était tourné sur la droite au moment où il était poignardé. Mais dans ce cas-là, il y aurait du sang sur le siège passager. Oui. À moins que... Est-ce que vous avez regardé s'il y avait des taches de sang à l'arrière? Effectivement. Il y a quelques traces. Donc l'assassin était forcément assis à l'arrière. Et pourquoi il était assis à l'arrière, à ton avis? Parce que les airbags sont dangereux pour les femmes enceintes. On n'est jamais trop prudent. Le livre sur l'œuvre de M. Corbin est le premier ouvrage sur lequel Hélène a travaillé. Je peux vous dire qu'elle y a mis tout son cœur. J'imagine. Il nous avait été commandé par l'université de Saint-Quentin qui voulait lui rendre hommage. Vous permettez? Bien sûr. Merci. Parce que M. Corbin en est le concepteur. Vous savez, il a également construit plusieurs maisons au Vésinet. Nous sommes au courant.
Alors, Hélène a également fait éditer un exemplaire unique, relié tout en cuir. Et elle en a fait cadeau personnellement à Monsieur Corbin pendant la cérémonie. De quoi attirer l'attention du maître ? Bah, regarde, elle a même inséré une photo de Corbin avec sa femme Sophie, 1976. Elle savait pertinemment où elle mettait les pieds. Je peux vous l'emprunter ? Bien sûr. Je vous remercie bien. Bien, merci. Au revoir. Le père de Sébastien ne vit pas à Dubaï. Il est beaucoup plus près d'ici qu'on ne le pense. Hélène Lebrun ne savait pas tout de la vie de Corbin. Elle ignorait l'essentiel. Regarde, tu reconnais cette photo ? Tu reconnais cette femme ? Chez Sébastien. C'est la mère de Sébastien. Ouais. Et ça explique tout, ses recherches, sa fascination pour Corbin, son enquête. Hélène Lebrun croyait porter le seul et unique héritier de Corbin. En découvrant Sébastien, elle a compris qui il était et pourquoi il s'intéressait à lui. Un enfant naturel. Oui. Et qui, tôt ou tard, allait se dévoiler au grand jour et peut-être lui demander sa part d'héritage. Sébastien Bonnet se cherchait un père et il a trouvé la mort. Et il aurait mené toute cette enquête. Ouais. Fait ses études juste pour suivre le parcours de son père. Mais pourquoi il lui a tout simplement pas parlé ? Pour ne pas briser l'espoir qui s'était construit, par peur d'être rejeté une fois de plus. Peut-être qu'il voulait devenir quelqu'un avant de regarder Corbin dans les yeux et lui dire « Je suis ton fils. » Si tu as raison, c'est un crime horrible. Oui, c'est aussi ce que comprendra Corbin quand il réalisera qu'il s'amèterait sérieusement sur lui. Sauf s'ils sont tous les deux complices. Je ne pouvais pas être à la gare de l'Est ce vendredi matin à 10h parce que j'étais à Londres. Et en plus, je ne suis rentré que le lendemain. Monsieur Corbin, nous savons que vous ne travaillez plus pour la mairie de Londres depuis des années. Nous savons aussi que vous avez des attaches dans cette ville. Alors, ça s'y concerne ma vie privée. Ça ne vous regarde pas. Ah, elle ne concerne pas que vous. Elle concerne aussi toutes ces femmes auxquelles vous mentez, non ? Sophie, l'épouse fidèle et patiente. Johanna, la muse étrangère. Et Hélène, l'admiratrice qui rencontre enfin son héros. J'en oublie, il y en a d'autres. Vous êtes un grand architecte, monsieur Corbin, mais sur le plan humain, vous êtes petit, tout petit. Vous n'avez pas apporté le moindre jugement sur ma vie. Si. Parce que cette vie est la cause directe de la mort d'un jeune homme, à cause de vos dissimulations. C'est parce qu'il allait tout dévoiler qu'il s'est fait tuer, vous savez ? Oui, mais alors qu'est-ce que vous voulez que ça me foute ? Monsieur Corbin, si vous ne voulez pas être mis en examen par le juge d'instruction, il faut nous donner un alibi solide. Ben, je n'étais pas seul à Londres. J'étais avec Anna. Anna ? Son assistante, voyons. Oui, j'ai rejoint M. Corbin. Il avait besoin de plans pour ses affaires à Londres. Ça ne pouvait pas attendre le lendemain. Alors j'ai pris le premier Eurostar, hein, afin de les lui remettre en main propre. Le problème, voyez-vous, c'est que votre patron ne fait pas d'affaires à Londres. Oui, nous pensons que ses affaires, il les fait avec vous. Et même si c'était vrai, qu'est-ce que ça peut vous faire ? Ah, nous, rien. Mais un jeune homme a peut-être été tué à cause de la vie tumultueuse de votre patron. Nous voulons être certains qu'il n'y est pour rien. Nous avons passé la journée ensemble à Londres. Et jusqu'à minuit. Comment vous le savez ? Bah, vous commencez à le connaître. Hein. Il aime bien jouer avec le feu. Toujours à deux doigts de se faire prendre, n'est-ce pas ? On dirait presque qu'il le fait exprès. Mais bien sûr qu'il le fait exprès. Et les soirées que vous passez ensemble ne sont que plus torrides. Eh bien, vous pourrez remercier sa femme de ma part. Parce que le soir à Londres, après qu'elle ait appelé... Sa femme a appelé ? Sur son portable, oui. Elle a insisté pour venir le rejoindre à son hôtel le soir. Mais comment vous le savez, vous n'avez entendu que son côté de la conversation. Il suit sang et eau pour la faire changer d'avis. Il a dit qu'elle s'ennuierait sur place. Et que le temps de prendre l'Eurostar, il serait déjà 1h du matin. Merci, mademoiselle. Un agent va vous accompagner. Donc, Corbin a un alibi et l'appel ne pouvait pas venir d'Aix-en-Provence. Sa femme n'aurait jamais eu le temps d'arriver en 3 heures. C'était forcément Hélène Lebrun. Elle sait tout, depuis toujours.
Et c'est pour ça qu'elle lui fait payer ses infidélités. Elle joue à lui faire peur. Jusqu'à ce que Sébastien débarque de sa vie. Mm-hmm. Bon, à nous de jouer avec elle maintenant. On va la pousser à la faute. Oui, s'il vous plaît, oui. Ils sont partis se renseigner. Elle ne marche pas. Je comprends pas, ma carte fonctionnait très bien hier pourtant. Oui, mais là, elle ne passe plus. Oui. Comment ça, le compte est à découvert? Une autre carte? Sur ce compte, vous en êtes sûr? Écoute, dès que j'aurai les résultats, voilà, on fêtera ça ensemble. Je te promets. Je suis d'accord, monsieur. Attends une seconde. Qu'est-ce qui se passe? Je te rappelle. Qu'est-ce qu'il y a, Hélène? J'étais en train d'acheter des vêtements et ils m'ont refusé ma carte. J'ai découvert pourquoi. Il y a une autre carte sur ton compte. C'est pas possible. Il y a une douzaine de dépenses, toutes dans le 17e, des draps, de la lingerie. Qui sait? Mais personne, je te jure. Oh ben, je suis désolée de vous voir. Désolée de débarquer comme ça à l'improviste. Ah, quelle surprise. Alors finalement, vous connaissez monsieur Corbin? J'ai jamais dit le contraire. Non, mais qu'est-ce que vous voulez, bon sang? Nous voulons reparler de Sébastien Bonnet. Nous avons appris qu'il fouinait dans des affaires que vous avez dans le 17e. Non, mais de quoi vous parlez? Moi, j'ai aucune affaire dans le 17e. Nous pourrons peut-être en parler plus tard, après le départ de mademoiselle Lebrun. Je ne vais nulle part. Mais ça ne vous concerne pas vraiment. C'est la vie privée de monsieur Corbin. Tout ce qui concerne mon mari me concerne. C'est votre femme? Vous êtes mariée? Oui, je suis sa femme. Enfin, nous allons nous marier après la naissance de notre fils. Mais ce n'est pas la femme qui partage votre vie depuis 28 ans? Si vous parlez de Sophie, ils ont été mariés pendant 26 ans. Mais il a divorcé il y a longtemps. Pourquoi vous ne nous avez pas dit que vous étiez ensemble? Eh bien, Xavier Michel est très connu. Je tiens à préserver notre intimité. Qu'est-ce qui se passe dans le 17e? Votre futur époux a acheté un hôtel particulier il y a quoi, 2 mois? C'est complètement faux. On est allé faire un tour. Il a fait installer la même statue que devant chez vous. Vénus. Oui, symbole de l'amour. La même que devant votre maison d'Aix. Espèce de salopard. Non mais il ment, Hélène. Il ment. Mais alors c'est quoi tout ça? Tu vas en épouser une autre, c'est ça? En épouser une autre, je vois pas comment il pourrait le faire. Ah bon? Ah bon? Mais il a déjà 2 femmes, Sophie et Johanna. Ah bon? T'es au courant? Mais oui, je suis au courant. Mais ça m'était égal parce que j'étais la plus importante. Tu te souviens ce que tu as dit? Que j'étais la seule en qui tu avais confiance pour te donner un enfant. Hélène. Cet enfant existe. Il est de toi, mais il est à moi. Et je te ferai payer pour lui jusqu'à la fin de tes jours. Vous pouvez pas partir comme ça. C'est vous qui allez partir. Ça me concerne, moi, les femmes que j'aime. Je suis désolé, Hélène, de t'avoir blessé. Mais tu m'es tellement dévouée. Oui, et nous avons une preuve de cette dévotion. Elle a compilé toute votre vie. Comment ne pas être touchée par tant d'admiration et de dévouement? Je suis désolé pour tout, Hélène. Ah, ne soyez pas désolé pour elle. Connaître votre secret lui a donné du pouvoir. Elle pouvait vous manipuler comme bon lui semblait. D'ailleurs, elle vous appelait quand vous étiez chez Sophie ou chez Johanna, non? Elle vous disait qu'elle était en chemin, qu'elle venait vous voir. Non, je n'ai jamais fait ça. Même pas la semaine dernière, quand il était à Londres. Quelques jours après que Sébastien se soit présenté chez elle, elle a eu peur qu'il dévoile toute votre vie. Elle voulait connaître ses intentions. Alors elle est allée lui rendre visite. Ne les écoute pas. Mais elle avait raison de s'inquiéter. Parce qu'il y a une vraie fixation sur vous. D'ailleurs, ses dessins ont un peu la même énergie que les vôtres. Mais c'était un plagiat sans intérêt. Moi aussi, il avait un intérêt pour vous. Premières aventures d'homme célibataire, vous vous souvenez d'elle? Quelques semaines après que vous soyez séparés, elle a épousé son fiancé, Jean Bonnet. Quelques mois plus tard, elle a donné naissance à un fils. Sébastien. C'est votre fils, monsieur Corbin. Il voulait devenir architecte comme vous. Il voulait vous parler. Il voulait vous dire combien vous lui avez manqué. Mais il n'a pas osé. Alors il a cherché à exister à vos côtés. Il a cherché à devenir l'homme que vous étiez. Mais on ne lui a pas laissé le temps. Mais tu es un monstre. Tu as tué mon fils. Mon fils? Ton fils, je le porte en moi. Mais lui, il existait. Tu savais qui il était. Et tu l'as tué. Oh, tu ne comprends donc rien. Il aurait tout gâché. Il n'était rien pour toi. Ton fils, ton seul fils, c'est moi qui le porte.
fallait qu'il meure. Hélène Lebrun, vous êtes en état d'arrestation. Pour meurtre avec préméditation. Merci. Vous allez être placé en garde à vue. Allez. Faites attention. Si j'avais su... s'il était venu me voir... vous auriez peut-être refusé de lui parler. Mais il est trop tard pour avoir des regrets. Pensez plutôt à l'avenir. Vous allez bientôt avoir un fils. Il aura besoin de vous. Je serai là. Je m'en occuperai. Au fond, Sébastien et Hélène avaient le même motif. Ils se cherchaient tous les deux un père. C'est incroyable comme à force de le chercher, il avait fini par intégrer son style. On peut sacrifier une vie entière dans la quête d'un père qu'on n'a jamais connu. On dirait que tu sais de quoi tu parles. On dira rien à personne, je vous jure. Tout de suite, un nouvel épisode de Paris Enquête Criminelle. Non seulement ils sont partis avec un butin considérable, mais ils ont tué froidement un garçon et une fille qui n'avaient pas 20 ans. Ils ont tout contrôlé, ils n'ont rien laissé au hasard. C'est un cerveau unique qui a monté le coup. Si t'avais pas été flic, t'aurais fini braqueur. Il jouit du pouvoir qu'il a sur les autres tant qu'il a besoin d'eux. Et après ? Adios, compañero. Boum. Et les gardiens sont les parents de la jeune fille ou du garçon ? De la jeune fille. Nous les retrouverons, je vous donne ma parole d'honneur. Si on ne les retrouve pas ? On n'a plus le choix maintenant.